amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui, je vous emmène ici. Alors, ça a pas... Je suis désolé, ça n'a pas de nom. C'est juste un camp. Vous pouvez voir, ça a vraiment la forme d'un camp. C'en est, hein, puisque je suis allé voir. Et il y a... Moi, ça m'a intrigué, donc c'est pour ça que j'ai mis une petite balise pour que je retourne la voir, revoir ce camp et que je partage avec vous ce que j'ai découvert. Donc moi, je sais déjà ce qu'il y a, mais je vais vous faire découvrir. Ça m'a... J'ai beaucoup aimé. Alors déjà, je me suis mis dans un véhicule. Donc, c'est un repère de Yegas. Et leur véhicule, je trouve qu'il claque. Mais il claque de ouf, leur véhicule. Donc, il y avait quelqu'un dedans, bien sûr. Hein, je l'ai tué. Et maintenant, il faut en fait s'incruster à la fête, à l'intérieur. Je vais vous montrer. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement bien barricadé. Donc, on sent bien les mecs. Pas très très serein. Ils ont peur d'une attaque de quelque chose. Donc là, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Parce qu'en fait, j'aurais juste dû faire demi-tour et c'était bon. Donc l'entrée est là, mais l'entrée, alors même eux, je ne sais pas comment ils sortent. L'entrée est barricadée. Alors je vous avoue que je ne sais pas comment je vais rentrer. J'ai réussi à buter l'autre mec qui était derrière, mais voilà, c'est ce que je voulais. Même si je veux ça. Et j'ai peur que les pics me... Voilà. C'est bien ce que je pensais. Les pics, ça pique. Hein ? On va dire ça comme ça, hein. Donc on va plutôt faire autrement. On va faire comme ça. Je vais vous montrer. On va se trouver une solution. Parce que je ne sais pas comment rentrer, je vous avoue. Mais... Toujours une solution. Avec tous les pouvoirs que l'on a, on peut la trouver, notre solution. Allez. Voilà. Ok, on est à l'intérieur. Vous avez vu, je savais même pas que les petits pics de la carapace du véhicule nous touchaient. Mais bon, toujours bon à savoir. Donc là, je suis à l'intérieur. Donc il y a différentes petites choses à aller voir. Je crois qu'il y en a un autre qui nous embête là-haut. Il y en a un là-haut. Et il y avait un mec, alors que je trouve avec un véhicule, mais je trouve qu'il claque de ouf. C'est ce genre de scooter là. Mais franchement, il claque. Moi, j'adore. Regardez ça. Mais c'est super ingénieux, n'empêche. Hein. Le stabilisateur en haut, avec la petite roue et tout. Franchement, c'est le genre de truc que je pense pas à faire. Bon, et je me suis amusé avec ce petit truc. Bon, pas super maniable, comme vous pouvez le voir. J'ai foncé dans la barrière, mais ça fait le taf quand même. Là, on va grimper. Voilà. Allez, on va rouler des champignons. Il va falloir atteindre là-bas. La cabane. J'ai mis mon ping jaune. Ouah. Oh, c'était clair. Fait de la luminosité. Hein. Voilà, il faut aller là-bas. Mais pour aller là-bas, comme vous voyez, il y a un petit camarade dans les airs. Voilà, il ne l'est plus. Donc son véhicule sympa. Et voilà, ça ouvre la porte. Alors, il va falloir y aller. Hein. C'est, faut aller en face maintenant. Bon, normalement avec le parachute et tout, ça devrait le faire. Alors, est-ce qu'on chopera l'échelle? Non, on chope pas l'échelle. Mais c'est pas grave. Link est un très bon grimpeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite cabane? Donc, nous avons des coffres. On va commencer par celle de gauche. Qui nous donne quand même un grand cristal d'énergie Sonao. Pas mal, hein. On va pas cracher dessus, ça je vous le dis. Et c'est plutôt ce coffre-là qui nous intéresse. Voilà, il y a un plan d'assemblage Yega. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Je savais qu'on pouvait trouver des plans quelque part. Je ne pensais pas en trouver un là, ici, dans ce camp. Et ça m'a fait super plaisir. Et regardez ce que ça nous fait. C'est le monocycle que l'on a vu en bas. On va pouvoir le construire. J'ai trouvé ça génial. J'étais trop content. J'étais vraiment heureux. Parce que moi, j'étais en train d'essayer de l'assembler, d'ouvrir faire les plans et tout, comme vous pouvez le voir là. J'avais commencé à vouloir le modif pour pouvoir le sauvegarder et tout pour pouvoir l'avoir. Mais non, pas besoin. On nous file les plans. C'est génial. Pour 15 pierres, hop, nickel, on se le fait. Bah franchement, moi, j'adore. J'adore. On va pouvoir s'amuser. Ça fait super plaisir. Donc moi, je suis très très content d'avoir fait cette trouvaille. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir aussi. Et voilà. Maintenant, on a un bon petit plan pour se faire un scooter, un monocycle.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, activez la petite cloche pour avoir les dernières notifications. C'est très important. Bon, bah sur cette bonne trouvaille, mes amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.